Je suis là pour faire le concours, c'est tout. Être le grand gagnant du concours. Je suis pas dans la compétition pure. J'espère que je vais gagner. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'avoir répondu présent. Je remercie aussi aux personnes qui vous encadrent d'avoir tenté ce pari un peu fou de participer à ce trophée d'Ulysse. Il fallait trouver une idée pour mettre en valeur la valeur travail de ces jeunes. Alors, avec des grosses difficultés, soit, mais la valeur travail, le courage et le vouloir bien faire. Pourquoi pas essayer de trouver, de faire quelque chose autour d'un repas et donc autour de la cuisine et autour d'un concours de cuisine, tout simplement. Le profil d'un jeune inscrit à ce concours, il faut simplement que le jeune soit en Ulysse lycée. Donc c'est qu'il a une reconnaissance avec des troubles cognitifs. Après, le parcours professionnel du jeune et des coachs, complètement différent. Mais un projet n'existe pas si vous n'êtes pas là, vous, et vous les coachs. Voilà, donc merci à vous. C'est toujours bien de parler du concours avant le vrai jour. Bah, le concours se met en place gentiment, qu'on avance gentiment dans le projet parce qu'on ne fait pas tout en même temps. Mais tout doucement, on avance par étape. On n'est pas là pour gagner, on est là pour le concours. C'était plutôt rassurant, surtout pour Lucas, qui voit bien que c'était bienveillant, qu'il ait moins de stress, qu'il se sente un peu plus à l'aise, et qu'il voit que quand il va faire son concours, il ne soit moins stressé parce qu'il y aura des perdus qui vont le regarder. Puis ça permet aussi de voir les autres jeunes, voir aussi que les autres jeunes sont comme lui. Hein, voilà. Et que les coachs... Bon, il y en a certains quand même, il y a des coachs, c'est des cuisiniers. Hein. Donc il va falloir... être à la hauteur, mais ça va le faire. On est prêts. On fera ce qu'on peut, on y va avec nos moyens, on y va avec nos petites compétences. On gagne, c'est bien, on ne gagne pas, c'est pas grave. On participe. Pour moi, elle est gagnante de toute manière, ma jeune. Un moment aussi important, c'est que je souhaitais que chaque jeune soit reconnu en tant que tel, comme candidat, comme n'importe quel concours. Oui. Je voulais qu'il y ait une tenue, une veste de cuisine qui soit la même pour tout le monde, mais que ça représente quelque chose en souvenir. Donc en gros, c'est presque leur premier cadeau, quoi. Je ressentais une certaine retenue, une appréhension. Cette journée-là, c'est important pour moi que tous les candidats inscrits jusqu'à présent se rencontrent avant le concours, parce qu'on est dans des situations où le stress peut être ravageur. Et il faut créer quelque chose, il faut créer un lien avant le concours. Parce que le concours, c'est avant tout une rencontre. C'est ça aussi le but du jeu de cette réunion, de faire tomber les barrières. D'un côté, il y a les cols blancs, il y a les cols bleus, blancs, rouges, il y a les grandes toques, il y a les chefs, il y a les organisateurs. Mais on a besoin d'eux. Sans ces jeunes, sans la confiance de ces jeunes, le concours n'existe pas. Et c'est ça, aujourd'hui, comme on dit, qui a matché. Ça a réussi. Et là, c'est que du bonheur, quoi.